Salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Farming Simulator 22, on poursuit notre aventure. Où est-ce qu'on en est? Eh bien écoutez, on est au mois de septembre, et il pleut, bah voilà, l'automne arrive, il y a même de l'orage, un petit peu le bordel. Nos tournesols ont bien poussé, d'ailleurs ils cherchent le soleil par là-bas, et même moi je le vois pas. En tout cas ils sont pas mal, bonus de rendement plus 83%, tout est fertilisé. Il me semblait qu'il y avait des mauvaises herbes, ouais. Il y a des mauvaises herbes, mais on ne nous les montre pas. Voilà, alors, peut-être que... Voilà, il faut que je redéplace la caméra. Hop, je suis à vous, ce sera mieux comme ça. Nos poules ont enfin commencé à faire des œufs. Et c'est plus des boîtes comme avant. C'est le genre de choses qu'on peut trouver directement dans les magasins. Et je m'arrête 30 secondes parce qu'il y a un tracteur qui passe sous ma fenêtre. Donc voilà, ça y est. Alors, les poules, pour qu'elles puissent pondre, il fallait attendre qu'elles aient 2 mois. Enfin, a été dit dans les commentaires. On va aller voir ici, elles en sont où? Puberté, voilà, tout simplement. 16%. Ça c'est plutôt cool, elles ont qu'un seul mois. Mais elles ont quand même commencé à pondre. Voilà. Donc en fait, faut juste attendre qu'elles grandissent, tout simplement. Ici, on avait récupéré notre sorgho qu'on a apporté à la fabrique de farine pour qu'il soit transformé. Donc pour le moment ça nous rapporte pas, mais voilà. Et ici notre soja qui sera bientôt prêt d'ailleurs, fertilisé 100%. Et on a de bons rendements de croissance quand même, plus 83%, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'à terme je vais mettre des abeilles dans le coin par ici. Et d'ailleurs il faudra que j'en remette par là. Dommage qu'on puisse pas chasser. Hop, ici on a quoi, 81 litres de miel, il faut que je mette un deuxième, faut que j'en mette plus, il n'y en a pas assez ici. Mais regardez, déjà si on va sur notre champ, fertilisé, bonus de rendement, on est à 35% ici, c'est pas terrible, et il n'est pas fertilisé, donc il va falloir qu'on fertilise, et ici on a 95% de rendement, donc ça c'est plutôt cool. Il a été labouré, etc, et là je crois que de toute façon... doit être plombé et a besoin de chaud. Alors plombé, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, mais je vais m'en renseigner. Et ici, ça doit être plombé aussi. Mais en tout cas, l'autre a besoin de chaud, c'est pour ça qu'on perd en rendement. Pas grave, il y a un petit bonus de 35% quand même. Et... On va faire ce qu'il faut. J'ai remis ici, du coup, ma nourriture pour les poules. Et ici, mes graines, tout simplement. Donc, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller acheter... Hop, un broyeur. Le broyeur peut servir à écraser les résidus de culture. Ça permet de donc adapter à la culture du raisin ou de l'olive pour celui-ci. Et sinon, on a les autres. Donc, je vais peut-être partir sur celui-là. 3 mètres. Ah, il est un peu plus grand quand même. Mais il est beaucoup plus cher. Donc je vais acheter celui-ci. Je pense qu'il sera vite rentabilisé. Enfin, j'espère. Acheter pour 9500. Hop. Et du coup, donc ce qu'on va faire, c'est que ce qui nous reste du sorgho, on va le broyer et ça va ajouter au rendement du champ. Ça, c'est plutôt cool. Donc je me rends au magasin et on se retrouve ici. Allez, zou. On y arrive. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas une forme conventionnelle, ce champ. Alors. Hop, on va descendre et on regarde un petit peu le broyeur à quoi il ressemble. Il va peut-être falloir qu'on le déplie. On a juste besoin de l'activer comme ça. Ah, ça y est, regarde. On voit toutes les petites dents qui vont venir grignoter et broyer les tiges qui restent. Hop, on l'active. On le baisse. C'est parti. Ah, ça m'a même broyé l'herbe. J'ai l'impression. Si je me gourde de touche et que je dépose, ça va pas le faire. Un petit peu décalé. Thank you.
on termine tranquillement. Voilà. Le broyage est fait. Alors, bon, forcément, on voit pas le rendement, puisqu'on n'a encore pas planté. Mais normalement, ça devrait améliorer le rendement. C'est ce qu'on appelle le paillage, et ça, vous l'avez directement dans les astuces du jeu, en appliquant une couche de matière organique sur le sol. Donc c'est ce qu'on vient de faire, en broyant. Le paillage améliore la qualité de la terre, ainsi que le rendement du champ. Utilisez un broyeur sur les résidus de culture avant de cultiver le champ. Ça fonctionne pour toutes les cultures qui laissent des résidus, c'est-à-dire le maïs, le sorgho, le tournesol, etc. Vous gagnez un bonus de rendement sur la prochaine récolte. Voilà. Par contre, quand vous cultivez de la vigne et des oliviers, vous labourez d'abord, contrairement avec les résidus de culture, et broyez un peu plus tard. Voilà, dès que la nouvelle herbe commence à pousser, c'est la différence. En tout cas, voilà, le broyage est fait. Alors, maintenant, je vais ramener le broyeur, enfin, Ça, c'est pénible. J'ai pas assez d'argent. J'avais dit on va le ranger, on va le mettre à l'abri, bah non. Y'a pas d'abri. Je vais le stocker ici, quand on aura l'argent, on achètera un abri. On va regarder un petit peu où on en est. Ici, huile de colza. Est-ce qu'on en a fait un peu? Oui, 746 litres. Bien. On sait qu'on peut pas le vendre tout de suite, donc on va patienter. Et le sorgho, ça commence à tourner. C'est cool. Alors, on regarde ici, on est en cours de croissance, donc ça, c'est pas mal. On enlève ça, récolter, ok. Y a pas besoin de mettre de la chaux là-bas, ça m'étonne. Il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Ah oui. Il y a déjà de la mauvaise herbe qui pousse, très bien. Sauf que j'ai pas de sarcleuse. Et ici... pas de mauvaises herbes encore. Et si on a de la mauvaise herbe après, j'ai peur que le niveau de pousse soit trop haut pour qu'on puisse passer la sarcleuse. Donc là, la chaux, il faudra qu'on la mette ici. Pas de souci. Doit être plombé. En fait, il faut passer le rouleau. Voilà, je me suis renseigné. C'est le passage du rouleau, donc ça on le fera aussi, on achètera un petit rouleau. Et du coup bah, j'ai presque envie de... On va voir parce que ça m'interroge. Est-ce que l'herbicide... Je sais pas si l'herbicide va plomber le rendement ou pas. De ce qu'ils disent, non. Donc, on va essayer de se procurer un pulvérisateur. Ouah, c'est 34 000 quand même. Il n'y a pas une mission. Non, parce que bon, si on a un contrat... Après, j'ai pas mal de contrats là qui donneraient de l'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Pressage, c'est bien. Oh, pressage, ça rapporte. Pulvérisation. On a de la pulvérisation. On pourrait louer... ceci, et du coup s'en servir pour pulvériser notre champ. Et en même temps, bah du coup, garder l'équipement pour faire les autres contrats. On va faire ça. J'ai l'impression que ça marche pas. Dans les contrats acceptés, je les ai pas. Ah. Il y a un petit bug de ce côté-là. Là, ça a marché. Oh, c'est bizarre. Allez, bah du coup, je vais acheter de l'herbicide, hein, pas le choix. 2400. Tant pis. On a mis les 2000 litres. Il y a quand même un joli champ de maïs ici. Juste à côté de chez nous. Hein. C'est juste la maison du voisin au milieu. Ah oui, c'est grand.
voyais pas aussi grand. Et il y en a encore. Je crois que c'est fini. Non. Ok, c'est parti. Ah, il nous troll. Et ben voilà, c'est plus possible. Tant pis. Bah écoutez, je vais le plier. Non mais c'est bien. C'est bien. Ce serait un énorme cheat au final parce que tu prends les contrats qui te donnent du gros matériel comme ça et tu fais que tes champs et t'achètes rien. C'est bien. Non, d'un côté, je suis content. Je voulais tester. C'est fait. Du coup, bon, on va quand même faire ce contrat, 75. Allez, troisième passage et on termine ce contrat. Je sais pas combien ça va me rapporter avec la location, du coup, enfin l'emprunt des objets et l'herbicide que j'ai acheté. Voilà, j'avais envie de finir bien. Hop. Par contre, je vais retourner chez moi pour déposer l'herbicide avant de rendre. Dégoûté. On a quand même fini le contrat. Coût de la location, remboursement. Pourquoi il me faut un remboursement? Peut-être pour l'achat de... Ah! D'accord. Si je dépose l'herbicide... En fait, il me rembourse l'herbicide qui reste dans le réservoir. Donc on va rentrer, on va déposer l'herbicide et on va voir si ce remboursement il est aussi conséquent ou pas. Normalement, il devrait disparaître. Ok. Et maintenant, voilà, il n'y a plus de remboursement. Très bien. J'aurais pu me faire rembourser mon herbicide. Bon, tant qu'à faire. Et là, la location, ça me coûte autant. Après, est-ce que je vais perdre avec... Ah non, je vais pas acheter ça. Sarcleuse. Ça coûte déjà moins cher. Elle est petite, mais écoutez, on va l'acheter. Bon, pour le moment, la mauvaise herbe est juste en train de pousser. Est-ce que ça vaut le coup de passer la sarcleuse tout de suite? Je ne sais pas. On va tenter. Et on va voir ce que ça donne. Mauvaise zep pousse, ouais, donc il va falloir qu'on attende. Ok. Bon, j'ai plus grand chose à faire du coup pour le moment. Donc on va passer le temps. On va se retrouver bah, de toute façon, je pense, le mois d'après. Donc on va se retrouver au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... on pourrait labourer déjà. Et si on laboure, est-ce que ça fait disparaître les... Bah non. Bah si. Et la sarcleuse, on peut la passer après. Ça me dit pas si ça a besoin de chaud par contre. Alors ici le labour a pas été bien fait. Il y a des pierres là. Il va falloir qu'on reprenne ça. Ça doit être plombé. Ok. En dehors du plombage, ça a besoin de chaud. Et c'est fertilisé. Donc la chaux, on ira en chercher. Broyer, si on enlève le broyage. Là ça a pas besoin d'être plombé. Ça a pas besoin d'être chaulé. Ça a pas besoin d'être labouré. Donc on peut cultiver directement par-dessus. Ouais, ça me va. Sauf qu'avec toutes mes bêtises, j'ai plus de cultivateur. Enfin, j'ai même plus de planteuse en fait. Donc celle-ci, en location, on a dit qu'elle coûtait combien? Elle coûte 1700.
que j'ai bien envie de faire, c'est de passer le temps de ramasser chaque culture et de relancer toutes les cultures en même temps. Sauf que on peut peut-être pas tout faire en même temps. Là, en septembre, octobre, on peut planter le blé. Le blé, ça pourrait être pas mal. Et pour les poules. Et pour la paille. Après, en novembre-décembre, jusqu'au mois de février, on peut rien planter. Donc soit je plante tout de suite et je fais une culture, mais qu'on ne pourra pas ramasser avant juillet. Point. Soit j'attends le printemps et je me dis que là, j'aurai le choix de planter beaucoup de choses. C'est pénible, mais j'ai bien envie d'avoir du blé quand même. D'avoir un petit peu de paille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On avait notre épandeur. On a ça pour faire de ramasser de l'herbe aussi. Et on a ça pour la paille. Je suis pas obligé en plus d'acheter une. Ok. Donc, le cultivateur. Le semoir, pardon. Je vais y arriver. Je vais quand même être obligé de cultiver le champ. Donc il y a celui-là en 2,50 m, mais c'est vraiment trop petit. Il y a le hors-champ en 3 mètres. J'ai beaucoup de 3 mètres, hein. Après, c'est pour commencer. Alors oui, c'est plus long. Mais ça permet de bosser. J'achète. J'investis et que j'ai l'équipement de base. Et le semoir, bah on va acheter celui-là. Hein. Il reste 10 000 balles. On continue sur les investissements, mais c'est des investissements qui vont servir. Par contre, en train de me dire que là, en passant le culti, on va avoir des pierres. Et j'ai pas assez pour acheter le ramasseur à pierre. Il va falloir le louer. Et je pense que le coût de la location sera largement pas remboursé par le coût de. Enfin, par la vente des pierres, sûr. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. À un moment, il faut qu'on bosse aussi. Allez, c'est parti. Après, avec les équipements que j'ai, je pourrais prendre des contrats et puis aller me faire de l'argent. De toute façon, j'aurais pas trop le choix. Bon, pendant que le culti est en train de passer, n'oubliez pas, lâchez un maximum de petits pouces bleus, ça aide toujours au référencement des vidéos et ça soutient la chaîne au passage. Si vous voulez soutenir un petit peu plus activement la chaîne, vous pouvez, si c'est pas encore fait, vous abonner et activer la cloche des notifications, comme ça vous serez informé dès qu'un nouvel épisode sortira. Je vous invite aussi à aller consulter les autres playlists, les autres jeux que je couvre, parce que je ne fais pas que du farming, je fais plein d'autres jeux, des jeux d'aventure, des jeux de simulation, etc. N'hésitez pas. Je vous invite aussi, bah, si vous voulez soutenir la chaîne un peu plus activement, à cliquer sur le bouton rejoindre que vous avez juste en dessous de la vidéo. À noter que vous avez plusieurs formes d'abonnement. Ça commence à 2 euros, je crois, 1,99 €. Et après, il y a plusieurs paliers en fonction de vos possibilités. Et vous aurez accès au badge de souscription, de toute façon, aux emojis aussi, des petits emojis personnalisés pour la chaîne. Et vous aurez aussi accès à des séries de vidéos exclusives aux abonnés. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, il y a toujours un petit peu de monde. Si moi j'y suis pas tout le temps H24 non plus, je suis régulièrement présent quand même. Il y a les modérateurs qui sont là, il y a de la bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à passer, c'est toujours très sympathique. En tout cas, bah, j'espère que pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'avoir des vacances, vous profitez. Cette fin d'année est vraiment, vraiment lourde, vraiment dure, donc bah. Pensez à vous reposer, pensez à passer du temps avec vos proches aussi.
Et puis, voilà, avec les gens qui comptent. Et j'espère que toutes et tous, vous passerez un très bon Noël. Je vous rappelle que le 23 décembre, donc jeudi, il y aura une journée stream. Raté un morceau. Il y aura une journée stream. Donc le matin sur Twitch. L'après-midi, donc à partir de 9h à peu près, hein, le temps de se lever, etc. De prendre le café, de déjeuner, de s'installer. On se retrouve à 9h tranquillement. À partir de 9h jusqu'à à peu près 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Après, bah, faut aller manger. Hein. J'ai aussi les enfants à la maison, ils sont en vacances, donc voilà. L'après-midi, on se retrouvera sur YouTube à partir de 14h jusqu'à à peu près 17h environ. Et le soir, à nouveau sur Twitch à partir de 21h. Il y aura plusieurs jeux que je vais couvrir. On va faire des petites découvertes, ça va être des petits jeux. Le but, c'est de passer du temps ensemble, en direct, de pouvoir discuter avec vous en direct. Et il y aura des petits cadeaux à gagner aussi. Donc bah, n'hésitez pas, passez, venez, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Il y aura régulièrement voilà, des petits giveaways, des petits concours. Il faudra participer et il faudra être actif sur, dans le chat, en tout cas présent dans le chat. Abonné à la chaîne, bien entendu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et il y aura des giveaways à gagner. Voilà. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est jeudi le 23. C'est le stream de Noël que je fais pas le 24, mais le 23. Voilà, donc j'ai ramassé les pierres. Plus de 50%, plus de la moitié du réservoir rempli. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va pas me rapporter grand chose. 58 euros. C'est ridicule. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave, hein, c'est toujours ça. Et la machine m'a coûté 1000 balles, quoi. En location. Voilà, voilà. C'est comme ça. Un jour, il va vraiment falloir que j'investisse là-dessus. Alors après, je peux faire un prêt. Hein. Ou je peux aller faire des missions pour avoir les revenus nécessaires. En attendant, bah voilà, je me débrouille. Allez, je vais le déposer. On va le rendre. On va juste aller voir combien ça coûte 25 000 quand même. Avant de le rentabiliser à coût de 58 euros, faudrait que je fasse à peu près 430 champs. Bon, vous allez me dire, il me tiendra sur toute la série, mais bon. Il peut abuser quand même. Allez, on va les planter. Du coup, du blé ou de l'avoine, je sais pas trop. Il y a un peu de brouillard, on dirait, au loin, là-bas. Même pas qu'au loin. Alors, on a dit l'orge. Pourquoi j'ai parlé d'avoine ? Je sais pas. L'orge, on peut le ramasser plus tôt. Bon, un mois plus tôt. Sachant qu'au mois de juin, j'aurai pas grand-chose à part l'herbe, le peuplier. Je pourrais faire des peupliers aussi, mais il me faudra d'autres champs, bien entendu. L'orge ou le blé ? Ah. Est-ce que le blé, de toute façon, je vais pouvoir... Ben, l'orge aussi. Ouais, le blé a un meilleur rendement, quand même, au niveau du moulin. Ok. J'en garderai une partie pour mes poules. Et le reste, je vais le... l'emmener au moulin. Tout simplement. Alors, on déplie le cultivateur. Hop, ça nous baisse ça. On baisse le cultivateur. On le met en route. Le cultivateur. Le semoir, pardon. C'est parti. On va faire un beau semis. Et on est parti pour du coup une culture de blé sur ce champ. Bon, ça y est.
Je viens de terminer de planter le blé. Donc on va se rendre sur le champ. On est toujours le même jour, le même mois. Un jour est un mois dans le jeu. On arrive sur le champ. Du coup, bonus de rendement, on est quand même à 53%. La mauvaise herbe pousse. Donc on va attendre un petit peu avant de passer la sarcleuse. Je suis pas sûr que ça. Pour le moment, c'est juste des pousses. Ça me dérange un petit peu. Après, il doit être plombé. J'ai pas. Pour le moment, on va pas plomber. On plombera dans quelques temps. On va aller voir quand même le coût des rouleaux. 41 000. Waouh. Et en location, 2 000 quand même. Donc pour le moment, je peux pas me le permettre. Pas grave. Par contre, ce qu'on peut faire en attendant, pour récupérer un peu d'argent. On va récupérer notre tracteur, on va aller récupérer notre faucheuse. Et on va faucher toute l'herbe qu'on a à disposition. Et on va essayer de récupérer un petit peu d'argent grâce à l'herbe. Oh, regardez l'animation des bâches avec, avec le vent. Ah, c'est génial! Excellent. Et devant aussi. Yes. Sympa. Alors par contre, j'ai pas d'endaineur. On va se débrouiller sans, hein, tant pis. Allez hop, on déplie. On baisse. On active. Pareil pour celui de devant. On déplie. On baisse. Et on active. Et c'est parti! Voilà, poussière que ça fait! Impressionnant! Et si jamais ça peut nous dégager un petit peu de revenus supplémentaires, j'avoue que je suis preneur. Ok. Bon, ça c'est fait. On va aller charger, chercher la chargeuse, pardon. Non pas charger la chercheuse. Et vous comprenez pourquoi il va me falloir des hangars assez rapidement. Allez, avec cette action, tout ce que j'espère, c'est que l'herbe puisse nous apporter un petit revenu d'appoint. Pour le moment, on n'a pas énormément de terrain de prairie. Mais potentiellement, ça peut apporter. Donc, on va aller charger tout ça. Je sais plus combien fait ma benne, ma chargeuse. Mais je pense qu'on peut déjà bien remplir. Et je suis vraiment passé à ras de ce que je pouvais faire. Alors. On va déplier, enfin baisser, hop là, l'aspirateur. Ah, il y a le voisin qui sort de chez lui. Non, il repart, il a oublié ses clés. Et ben non, je vais pas partir à pied. Hop, on met en route la chargeuse. On voit le petit rouleau ici qui tourne et qui va bah, ramener en fait l'herbe dans la benne. Hop, regardez. Oh, l'animation est bien meilleure qu'avant. Ouais, c'est excellent. Ouais, par contre, je vais avoir du mal, sans endaineur, à récupérer là dans les angles. Ça y est, on a fini de ramasser l'herbe.
Il y a juste des endroits là où j'y arrive pas, mais il me faudrait un endaineur pour pouvoir les ramener sur les côtés. Pas grave, ça repoussera, on recoupera et la prochaine fois on aura un endaineur. 80% de rempli, 35 000 litres, donc ça c'est cool, on va voir tout de suite où on peut les vendre. Alors, on est sur l'herbe, négociant en bétail. Les prix sont en train de monter. Oh oui! Jusqu'en décembre, janvier, ça monte. Est-ce que j'ai une obligation de le vendre tout de suite? Non, je peux patienter. Donc on va laisser ça. J'ai failli couper la route à une voiture. Je vais laisser ça et on va stocker. On va passer un petit peu le temps. Bon, on est au mois d'octobre. J'ai réduit normalement les mois à une journée. Mais là, je vois que c'est encore octobre 1. Septembre, il y avait 3 jours. On va voir si c'est pris en compte. En tout cas, hop, hop, hop. Là, ça n'a pas fini de pousser. Le tournesol, j'aimerais qu'on le ramassait au mois d'octobre. Vous voyez, j'ai mis jour par mois 1. Mais ça me garde octobre 1. Bon, je ne sais pas. Moi, ce que je voulais voir, c'était ici, le tournesol. On n'avait pas dit si octobre. Bon, on va patienter. Il va pas tarder de mûrir, ça se trouve il a été planté un petit peu plus tard et on pourra le ramasser qu'au mois de novembre. En attendant, on a toujours la sarcleuse à passer ici parce que la pousse, voilà, et regardez, on voit un petit peu. Est-ce que vous voyez, il y a des brins qui sont un peu plus vert clair. Hop, vous les voyez? Eh bien ce sont les mauvaises herbes qui sont au milieu et on voit que les mauvaises herbes... Bah, elles sont petites, donc on va passer tout de suite la sarcleuse tant que c'est pas trop gros. Alors, on va déplier. La luminosité est super. Je trouve que le lever de soleil, c'est super beau. Hop. C'est parti pour passer la sarcleuse. Alors, par contre, je ne vois pas du tout où je passe. J'ai pas de feu à l'arrière. Non. Tant pis. Ouais, du coup, on verra pas plus. Ouais, je fais avancer le temps histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Et on peut voir déjà que là, c'est bon. Et là, on a les mauvaises herbes. Et là où je suis passé. On voit la différence, hein. Regardez. Les petites herbes là, 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 et ici, c'est tout bon. Alors, normalement, on a terminé. Mauvaises herbes, il en reste encore. Ok, bah je vais continuer, je vais finir ça. Hop. Normalement, on va être pas mal. Attention les corbeaux. Ok, il en reste. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal. Donc les mauvaises herbes, nickel. Bon, ici on sait qu'on a des cailloux, mais ça on verra par la suite. Et là, mauvaise herbe, là c'est à fond mauvaise herbe. Bon, très bien. Hop, petit demi-tour. On va aller voir notre blé quand même. Il est pas mal. Il est pas mal. Et au moins on sera tranquille avec les mauvaises herbes, et ça, c'est cool. Eh ben nickel, notre soja est prêt ici, on va pouvoir le récolter. Mais vous savez quoi? On va se garder ça pour le prochain épisode. Là, je pense qu'on a fait déjà pas mal de choses. On a préparé ce champ de blé, on a fait du broyage, ça c'est cool. On a commencé à faire un peu de pressage.
Même si on a, on a passé la faucheuse et on a ramassé l'herbe. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'espère que ça nous rapportera un petit peu d'argent. J'attends toujours que le tournesol soit disponible. On n'oublie pas que ce terrain, il va sauter à terme. Récupère le tournesol et ensuite je le fais disparaître, on construira par-dessus. Sauf si j'ai besoin de liquidité, à ce moment-là, je continue de cultiver jusqu'à avoir les fonds nécessaires. Ou alors on fait un prêt. J'aimerais éviter de faire des prêts quand même. Mais bon, faudra que j'achète un karcher aussi pour nettoyer ça. J'avais prévu du coup la barre de coupe pour le tournesol. On va récupérer celle-là, je vais poser. Prochain épisode, on ramasse le soja, on ramasse le tournesol, on amènera le tournesol à la production d'huile. Est-ce que ils ont terminé? Ils ont terminé l'huile, ils ont terminé la farine. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être envisager de vendre? Pas avant janvier pour la farine et l'huile de colza, pas avant décembre. Il nous reste 2 mois. Ça va vite passer, ça va vite passer. On devrait pouvoir faire nos premières ventes, en tout cas dans le prochain épisode, je l'espère, et ramener un petit peu d'argent. En tout cas, moi je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, vous savez quoi faire, et on se revoit très vite. Ciao, bye bye.